C'était basé d'aujourd'hui pour le mariage. Avoir le mariage rapidement, avoir le mariage facilement. Tu as fait des années, vraiment, toutes les promesses qu'on te donne là, ça ne me tient pas, ça ne mérite pas. C'est de ça que je parle, la famille. Les promesses qu'on te donne, les promesses ne méritent pas, les promesses ne se réalisent pas. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est le choix, la choix et le choix de tout le monde d'avoir un prétendant pour le mariage, d'avoir le mariage. Le mariage, c'est la clé du monde. Le mariage, Dieu a fait le sacrifice là pour nous. Le mariage, quand tu es marié, tu as un grand signe de respect. Quand tu es marié, tu es considéré. Quand tu es marié, on te considère partout. Quand tu es marié, ta vie est toujours bien. Quand tu es marié, vraiment, tu es vraiment une grande personne. Tu seras une grande ou une grande personne avec le signe de mariage. C'est un signe qui est exemplaire. C'est un signe qui nous donne le respect. C'est un signe, même si tu es plus petit, mais c'est un signe qui donne le respect naturel. Voilà, mes chéris. C'est du respect là que je parle, la famille. Voilà. C'est le choix de toutes les femmes. Le choix de toutes les femmes. Le choix de tous les hommes d'avoir marié, d'avoir l'homme ou femme qui va te donner le cœur à l'aise, qui va te mettre toujours à bien. C'est de ça que je parle, mes bébés. On n'a pas besoin d'autre chose, la famille. C'est votre Amari, là. C'est votre Fatim TV. On n'a pas besoin d'autre chose. On veut toujours être heureux dans la vie. C'est ça. On veut être toujours content dans la vie. On veut être tous éclatants. Voilà. C'est de ça que je demande, mes chéris. Être heureux dans la vie. Avoir un homme vraiment qui va te faire content. Parce que toutes les femmes sont belles. C'est le mariage qui nous différence. Parce que les hommes, par leur maîtrisation, là, c'est de ça qu'ils ont la classe avec les femmes. Donc, la parfum, vous allez chercher bidon comme ça, un parfum, vous allez chercher votre parfum de choix. Moi, je divise là. Quand vous chassez vos parfums de choix, mes bébés, qu'est-ce que vous allez passer avec votre parfum de choix? Ouvrez vos parfums de choix comme je viens de faire ça. Voilà. Ouvrez vos parfums de choix qui se sentent bien. Le parfum qui va allumer bien, mes chéris. Le parfum qui va donner vraiment comme ça doit se passer. Dans la famille, vous allez prendre comme ça la feuille de laurier que vous le voyez. Trois feuilles de laurier. Vous allez prendre trois feuilles de laurier qui n'est pas percée, qui n'a aucun problème, qui n'est pas déchiré. Mettez ça dans votre slip la nuit avant d'aller te coucher. Prends trois de ça. Prends trois feuilles de ça sans cacher rien. Mets ça dans votre slip avant d'aller, vous mettez dans vos slips avant d'aller au lit. Ok, mes bébés, vous allez dormir avec ça, la feuille de laurier. Quand vous passez la nuit avec ça, le matin, sans parler à personne, sans parler à personne, mes bébés, pour réaliser votre vie. Pour réaliser ce que tu veux, là, Dieu a déjà écrit le jour et là, Dieu a déjà dit c'est oui, pas grâce à Dieu. Va ouvrir ton parfum de bonheur, parfum de sens. Ouvre ton parfum. Il faut mettre les trois feuilles de laurier. Tous les trois feuilles que tu as passé la nuit avec ton slip, ton caleçon, là. Il faut enlever dans ton caleçon, tu mets dans le parfum, là. Tu ajoutes dans ton parfum de choix. Quand tu vas finir ajouter dans ton parfum de choix, n'oublie pas, c'est le sel de la cuisine, le gros sel. Vous le voyez, non? Le gros sel, là. Vous ajoutez ça aussi dedans. Vous ajoutez trois de ça dans le parfum, comme j'ai déjà fait ici. Vous ajoutez trois dans le parfum. Un, deux, trois dans le parfum. Quand vous allez finir, il y a trois feuilles de laurier. Vous ajoutez trois. Vous fermez vos parfums, la famille. Voilà. Vous allez garder le parfum sur vous. Voilà. Vous mettez sous vos oreilles la nuit avant de dormir. Mets le parfum sous vos oreilles. Voilà pour trois jours. Quatrième jour, avant de te laver, mets une goutte de l'eau dans l'eau, va se laver proprement. Avant de sortir, n'oublie pas de parler vos vies. Mets dans ton pomme là, passez sur le visage, passez sur le corps. Fais sur ton corps avant de sortir la famille. Tu vas venir pointer par grâce à Dieu. Fais ça, tu seras heureuse. Fais ça, tu seras content. Fais ça, tu vas voir le changement de ta vie.